plusieurs déjà. Racontez-nous comment c'est passé pour vous après le tour. Vous avez besoin de couper, préparer différemment, même couper du vélo complètement. Ouais. J'ai fait une bonne petite coupure qui était plus que nécessaire. Donc voilà, 2 semaines sans vélo. J'en avais besoin, donc voilà. Et après j'étais très motivé pour me repréparer pour finir la fin de saison avec voilà, le championnat du monde, Tour de Lombardie. Ce sont des courses qui m'ont toujours motivé et beaucoup plu. Donc voilà, je pense avoir fait le maximum dans mon approche avant d'arriver ici et on verra. Du coup, le championnat du monde, vous l'avez en tête depuis la fin de cette coupure, depuis que vous avez repris l'entraînement. Ouais, exactement. Pour finir l'entraînement autour du championnat du monde. Exactement, après le tour, j'ai coupé et j'ai commencé à me mettre le championnat du monde dans la tête et c'est ce qui m'a permis aussi de me relancer pour terminer la saison. Quoi. L'an passé, il y avait un parcours où il y avait une bosse très difficile dans le final, on savait que c'était le point crucial. Ici, c'est différent. Vous l'imaginez comment le parcours est pire? Est-ce qu'il vous plaît ce parcours? Bah, je vais le découvrir demain. Mais bon, de ce que je sais, ça va être une course vraiment très difficile, d'usure avec voilà, beaucoup de kilomètres, une météo terrible apparemment, donc c'est pas vraiment ce que je préfère. Mais bon, ça voilà, c'est une autre histoire, ce sera pour tout le monde pareil, il faudra s'adapter. Mais non, j'aime bien quand les courses sont difficiles, sont longues, on a une équipe homogène pour courir intelligemment, donc voilà, on est tous très motivés. Il y a 2 ans, vous étiez passé pas loin, à Bergen. L'an passé, ça avait été un peu plus compliqué. Vous avez dit que vous aviez craqué dans la bosse finale. Du coup, vous arrivez dans quel état d'esprit au championnat du monde? Avec un peu de pression ou alors au contraire, complètement détendu parce que vous la connaissez cette course, vous savez comment aller? Non, je me suis jamais senti aussi relax avant un championnat du monde. D'une, parce que ma saison a déjà été incroyable jusqu'à maintenant. Donc voilà, je suis libéré de plein de choses. J'ai juste envie de faire le maximum. Ça sera du bonus. Et oui, l'année dernière, il n'y a pas d'excuse. J'ai eu une défaillance, j'ai pas su suivre les meilleurs au moment où il le fallait. Et oui, à Bergen, c'était une grosse déception. Il y avait 1 km de trop. Mais tout ça, ça sert, ça, on apprend de tout ça. Et voilà, dimanche, c'est une autre histoire. C'est si différent que ça, championnat du monde, ça se trouve pas à l'équipe nationale, mais est-ce que ça change vraiment la façon de courir? Ouais, ça change. C'est une course à part, hein, de toute façon. Mais là, non. Tout le monde est motivé. On a envie de faire les choses bien. Et il ne faudra pas faire d'erreurs et surtout avoir des bonnes jambes. C'est ça le plus important aussi. Quoi. Quand on voit cette équipe de France, il y a 3 de Koenig Quickstep, y compris vous, Florian, et Rémi Cavagna, qu'on a vu gagner sur la Vuelta, une très belle victoire. Ça vous aide, ça aussi, d'avoir vos coéquipiers qui sont là, avec qui vous avez l'habitude de, alors, peut-être pas rouler en compétition tout souvent, mais de vous entraîner? Ouais, non, c'est un plaisir de voir Rémi et Florian dans l'équipe de France. Voilà, on a l'habitude de courir ensemble toute l'année. Et là, de savoir qu'ils font partie de l'équipe de France, ouais, c'est super. On a un bon groupe tous ensemble, de toute façon, et avec tous les coureurs. Et quand on voit ce qu'il a démontré, Rémi, là, sur la Vuelta, je pense qu'il est très, déjà très fier de faire partie de l'équipe, mais très motivé pour faire du bon boulot. Et voilà. La question de la distance, ça peut effrayer, mais vous, c'est plutôt quelque chose qui va vous plaire, vous pensez? T'as un regard de bilan? Ouais, j'aime bien les courses longues et difficiles, donc c'est bien. Merci beaucoup, Julien. Merci. Et puis, bonne chance. Merci beaucoup.